Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors là, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre un petit problème. Il s'agit de numéro d'identification en fait. On va voir, on va ouvrir le formulaire. Et là, comme vous voyez, donc j'ai 1002. On va voir, on va ajouter une nouvelle entrée. Par exemple, Luc. Luc, pas de problème. Homme, numéro, n'importe. Voilà. Adresse, France. Et là, donc là, on va voir le problème. Et on va cliquer sur enregistrer. Et là, comme vous voyez, le numéro ne change pas. D'accord? Même si on ferme l'application, réouvrir, et voilà, donc Gmail 3. Donc c'est ça le problème. Et je veux pas tout ça. Je veux que le numéro change automatiquement. D'accord? Alors on va résoudre ce problème. On va fermer tout ça. Et on va supprimer. Voilà. Ensuite, aller dans développeur. Visual Basic. Ensuite, double-clic sur enregistrer, le bouton enregistrer. Et là, on va ajouter me.textbox1. Égal. Me.textbox1. Plus 1. Et donc maintenant on va voir si le problème est résolu. Voilà. Run. Là, comme vous voyez, donc j'ai 1000 ici dans le numéro d'identification. On va ajouter une nouvelle entrée. Paul. Paul. Pas de problème. Juste essayer. Alors, Home. Pour le numéro, n'importe. France. Et voilà. Sans photo, pas de problème. Enregistré. Et là, comme vous voyez, automatiquement, le numéro d'identification se change automatiquement sans fermer l'application. On va voir un autre. Lisa. Lisa. Femme. Numéro France enregistré. Et là, comme vous voyez, toujours il ajoute un pour le numéro déjà existe dans Textbox 1. Alors, Jean-Luc. Voilà, Jean-Luc. Homme. Adresse France enregistrée. Et voilà, donc maintenant ça marche. Donc, mail 2, nouvelle entrée et mail 3. Même si je ferme l'application, réouvrir, là comme vous voyez, toujours est sur mail 3. Mais une fois ajouté nouvelle entrée et appuyé sur enregistrer. Et voilà donc 1004 automatiquement. Donc le problème est résolu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, commenter. On se retrouve dans la prochaine vidéo.
enregistré. Et là, donc, le problème est résolu. Donc, dernière entrée enregistrée est 1004 et nouvelle entrée est 1005. Voilà, donc, le problème est résolu.